Dans cette réserve naturelle dans la localité d'Inslaeren, l'eau devrait reprendre ses droits. L'entreprise BKV doit faire un geste pour la nature. C'est l'une des conditions pour exploiter la centrale hydroélectrique de Mühleberg, à quelques kilomètres de là. Cela signifie qu'on réinstaurera un autre canal, comme ça l'Aare aura plus de place pour s'écouler comme c'était le cas auparavant. Il y aura là une zone alluviale offrant plus de place pour les poissons, les libellules, les amphibiens, etc. afin de leur offrir un meilleur espace de vie et de favoriser la biodiversité. Difficile de s'ériger contre un projet d'une telle nature, à moins de posséder un domicile dans ce coin de paradis. Cette maison de vacances est vouée à la destruction dans le cadre du projet de BKV. Une quarantaine d'années de souvenirs supprimés pour le propriétaire âgé de 87 ans. Ce dernier a fait opposition. Sollicité, il n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Pour BKV, la maison n'a pas sa place dans cet environnement. La maison se situe dans une réserve naturelle et le but de tout notre projet est d'élargir l'art et d'offrir plus d'espace pour différentes espèces et pour la biodiversité. L'opposition du retraité ne met toutefois pas en péril le projet de BKV. Il le repousse simplement jusqu'au décès du propriétaire ou au plus tard, en 2032, soit l'échéance du contrat d'utilisation de la parcelle qu'il a conclu avec le canton de Berne. Le contrat entre le canton et l'habitant était clair depuis le début. Ça veut dire qu'on a élaboré notre projet en prenant compte. C'est pour cette raison qu'il est prévu en deux étapes, afin que nous puissions déjà dégager un bras de l'art dans la première étape. Selon les prévisions de BKV, la réalisation de la première phase devrait commencer à la fin de cette année, après obtention d'un permis d'aménagement hydraulique.